là, comme tu l'as vu, j'ai une semaine vraiment dure, vraiment épuisante. J'étais fatigué pour de vrai. Déjà, le travail, il me fatigue. Parce que tu vois, moi, je suis dans un travail où on conduit toute la journée. Dehors, le soleil, il tape. 30 degrés ressenti, 35 degrés dans la voiture, avec une clim qui marche à moitié. Tout dépend où t'es placé dans la voiture. Et ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, il fallait combattre ça. Là, comme tu l'as vu, j'ai une semaine vraiment fatigante et épuisante, mentalement comme physiquement. Déjà, mon travail, c'est le premier facteur. Il m'a fatigué. Et là, juin, juillet, août, là, on va remplacer des gens qui sont en vacances. Donc, on va beaucoup travailler, sachant que je bosse en extérieur. Dans la chaleur extrême, dans les 30 degrés, on est dans la voiture ressenti 35 degrés, avec une clim défaillante. Tout dépend à la place que t'es. Et ça, toute la journée. Dans la chaleur, tu manges pas beaucoup, tu es fatigué, tu peux pas te reposer, c'est dur, d'accord? Tu rentres, tu dois aller à la salle après, c'est dur, tu fais pas une très bonne séance. Et le deuxième truc, c'est que je me suis blessé au poignet gauche. Et en musculation, bah tu le sais, quand tu te blesses au poignet, c'est très compliqué de faire des choses. Et moi, c'était vraiment une vraie blessure, enfin une vraie douleur que j'avais. C'était incroyable. Et ça, c'est dû aux entraînements que j'ai fait les 2 dernières semaines. Parce que les 2 dernières semaines, je me suis vraiment donné à fond. J'ai fait des grosses séances vraiment intensives, vraiment énervées, où à la fin de quelques séances, ça a eu des mouvements à l'échec, triceps, échec, biceps, à la poulie ou à la barre. Dans le sens où je tenais bien fort les barres de poulie et je faisais mes séries à l'échec. Et du coup, mon poignet, il prenait indirectement. Parce que j'allais vraiment chercher la douleur, la contraction, la congestion au niveau de mes biceps et mes triceps. Et je voulais finir ça bien. Mais le samedi matin, enfin vendredi dernière séance, vendredi dernier dernière séance, samedi matin, je me réveille avec une grosse douleur au poignet gauche. Ça, c'est des choses qui m'arrivent souvent dans le sens où parfois, tu peux mal dormir, tu peux rouler pendant ton sommeil. Et moi, je roule beaucoup sur mes poignets. Mais là, c'était vraiment une douleur où j'ai l'impression que, je sais pas, il y a une voiture, elle a roulé sur mon poignet. C'était vraiment incroyable. C'était douloureux de fou. Et je me disais, ça va, j'ai mal. J'ai mal beaucoup de fois au poignet. Donc, je vais juste mettre un petit strap et aller à la salle. Je mets mon strap, je vais à la salle. Impossible de faire quoi que ce soit. Impossible de prendre une haltère, de faire des élévations latérales, de faire un peu de mouvement en prise neutre qui engage le moins les poignets. Impossible. J'ai mal partout. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait un peu de cardio et je suis rentré. C'est-à-dire que même sur le cardio à vélo, quand je tiens la machine, j'ai mal. Je me suis dit, c'est mort. On va s'arrêter une semaine tranquillement. On va faire les jambes quand même. Et puis voilà, off pour moi. Là où j'ai de la chance, c'est que je connais bien mon corps. J'ai été blessé plein de fois au poignet. Et je sais que tant que je ne me blesse pas sur un coup directement, et bah ça va, c'est pas grave. Si par exemple je fais un mouvement et je me blesse là, là je sais que j'en aurai pour très longtemps. Si c'est à la longue, avec tout ce que j'ai fait, avec le manque de fatigue, et ben j'ai des douleurs, je laisse reposer et après ça va aller. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça c'est un bon moyen mnémotechnique pour toi aussi. Si par exemple tu sens que tu as mal et tu as pas eu mal sur un coup particulier, laisse ton corps se reposer. En théorie, ça devrait aller. Et là, tu vois, pour récupérer plus vite, il n'y a pas trop de secret, hein. Faut boire beaucoup d'eau, faut se reposer. Tu as des compléments comme le collagène qui peuvent t'aider, qui peuvent te mettre bien. Et puis voilà, hein, repose-toi, mange, légumes verts, ça peut te faire du bien. Et puis attends de récupérer tranquillement. Donc, si je reviens à ce que je disais, j'étais blessé le vendredi. Donc, de samedi jusqu'à samedi, j'ai rien fait du tout. Samedi, je suis retourné à la salle. Tranquillement, après une semaine d'arrêt, j'ai fait une petite séance cool où j'ai allié entraînement fonctionnel avec un peu de cardio. Dimanche, pareil, j'ai osé mettre de la charge, même si j'étais fatigué. En fait, je t'explique, j'ai fait mon entraînement samedi, j'étais KO. Je suis venu dimanche et tu vois, quand tu viens à la salle et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu? Je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, j'ai envie de me reposer, sachant que j'ai beaucoup travaillé. Le repos, c'est dur, tu vois. Donc voilà, on fait comment? Donc j'ai pris tous les accessoires. J'ai pris mon CLA. Mon CLA, c'est un brûleur de graisse. Ensuite, j'ai pris mon pré-workout, The Pré-Thermo. J'ai pris mes EAA et j'ai pris la Clearway Raspberry Cranberry.
pour faire une séance, on va dire, au top, pour avoir l'énergie nécessaire pour tenir. Celle-là, comme j'ai dit, brûleur de graisse, je prête un mot pré-workout qui va me réveiller dans ma séance. EAA, ça va réduire ma fatigue dans la séance. Et la ClearOS, ça va me donner un peu d'énergie quand je sens que je suis KO, tu vois, parce que là, il fait chaud. Quand il fait chaud, je mange pas beaucoup et il me faut l'énergie. Donc, la ClearOS est là pour ça. La chose qui est vraiment dure et ce qui m'a blessé, c'est le fait d'enchaîner les semaines de travail, le fait de ne pas assez se reposer. Parce que quand tu te réveilles, tu vas au travail, ensuite tu rentres, tu vas à la salle, tu dors pas beaucoup pour te réveiller le lendemain pour répéter ça pendant 5 jours, parce que j'ai des semaines de 5 jours de travail, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Il suffit que voilà, tu passes une soirée où tu parles un peu plus à la salle avec des amis, ou tu passes une soirée avec des potes, ou que voilà, je fais un petit montage pour un client, parce que oui, il y a aussi 3 jours dans les semaines où j'allais au travail, à la salle, et ensuite j'allais faire un tournage pour un client le soir. Du coup, je dormais 3-4 heures. C'était vraiment compliqué, d'accord? Donc c'était des choix, mais c'était vraiment compliqué. Mais ça, après, tu récupères pas et tu peux te blesser. Et là, il faut faire attention. Là, clairement, mon objectif de la semaine, c'est de rajouter de la performance dans mes entraînements, dans mes programmes, faire les choses bien. Parce que j'ai fait pas mal de force, pas mal de trucs comme ça. Mais c'est bon, j'ai envie d'être vraiment performant. J'ai envie de ramener un peu de mobilité, un peu de cardio dans ce que je fais. Diminuer un peu la musculation. Et me préparer tranquillement pour la rentrée. Tu vois, donc j'hésite à m'entraîner dehors ou aller que dans l'espace cross-ring à la salle. Mais le problème, c'est que quand je vais en salle, c'est très très dur pour moi de faire autre chose que la musculation. Je m'explique, quand je vais en salle et que je dois faire que du cardio, je vais faire de la muscu et après du cardio. Si je dis que je fais que du poids de corps, je vais faire de la muscu et ensuite du poids de corps. Je suis obligé de faire de la muscu. C'est pas une addiction, mais juste le fait de s'entraîner, de se voir congestionné, de prendre les haltères, et ben ça fait du bien, tu vois. C'est un besoin. Donc voilà, je pense que je vais aller dehors. Je fais des entraînements dehors s'il pleut pas, si les conditions sont favorables. Et ça peut me faire que du bien. J'ai aussi envie de reprendre les vlogs. Je sais qu'à chaque fois, je fais des vidéos, je fais des vlogs, j'arrête, je dis que je vais en reprendre. Mais il me faut un thème. Il me faut vraiment un thème. Parce que là, contrairement à mon autre taf, là, je travaille vraiment beaucoup. Mais là, je peux te filmer un peu au taf, te parler un peu au taf, je peux te parler plus que je le faisais avant. Mais il faut des thèmes. Faut que vous m'aidiez parce qu'en fait, moi, je sais pas ce que je vais raconter dans un vlog. Je sais pas ce que je vais. En fait, je sais pas comment je vais animer ça. Et il faut qu'un vlog porte un thème pour qu'on en parle toute la journée. Donc, si tu as des idées de thèmes, dis-le moi et dans la journée, ben, je fais un vlog et j'en parle. Ou si je trouve des thèmes, je le ferai. Ça peut être intéressant, ça peut être bien. En plus, il y a plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. C'est intéressant. Je fais aussi un petit point sur les programmes. Je vais continuer à faire les programmes maison, les programmes où on fait ensemble, où on se parle, où on se motive, où on avance ensemble. D'ailleurs, merci pour les commentaires, merci pour les j'aime. Ça fait vraiment plaisir. Parce que comme j'ai dit, les gars, on a 17 000 abonnés, il faut qu'on arrive à 20 000. Roi tout 20K, d'accord? Il manque 3 000 abonnés. C'est beaucoup, mais il faut qu'on les ait. C'est important. On va les avoir avant septembre, ok? 20K, là, ça fait beau gosse, tu vois. Dame Jordan, 20K d'abonnés, ça c'est bien. Donc il faut qu'on atteigne ça, c'est important. D'ailleurs, je vais préparer une playlist de préparation physique sportive pour ceux qui font du sport en club. Je vais préparer ça proprement pendant les vacances. Il faut juste que je trouve le temps de bien m'organiser, de bien faire les choses. Et puis, je te fais une vidéo propre sur la prépa physique, sur les mouvements à faire, sur des programmes pour différents attributs, pour l'explosivité, pour devenir plus fort, pour de la force. Et puis, voilà, pour que quand tu vas faire ton sport en club, tu puisses tout tuer. C'est important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas,
mets un petit j'aime, c'est important, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Tous mes compléments sont sur MyProtein avec le code DAMS, le lien est dans la description. C'est important de passer dans la description, ça m'aide à faire plus de choses, à être récompensé et à évoluer. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.